Oh. 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 Yo yo yo. C'est la Team S3. Et aujourd'hui, on teste le futur ballon de la lumière. Bien quoi la vie, j'espère que vous allez bien sur votre photographie. Bon, aujourd'hui c'est moi qui vais présenter cette vidéo. J'avoue, j'ai un peu mal à la cuisse, donc je peux pas faire trop d'efforts. Comme vous le savez tous, c'est Decathlon qui va sponsoriser la Liga l'année prochaine et qui va les fournir en termes d'équipementier et donc de ballons. Et vu que Decathlon nous aime bien, ils nous ont offert le futur ballon de la Liga qu'on va devoir tester et on donnera nos impressions sur est-ce que c'est un bon ballon ou est-ce que c'est pas un aussi bon ballon que les Nike, Adidas, etc., etc. Pour ça, on va s'affronter sur trois défis où vont s'affronter Moz et Jimino. On va pas perdre plus de temps. On va commencer par le premier. Le premier, c'est un défi freestyle. Parce qu'on est des freestylers. Let's go! Avec JMK, on va se concerter. On va choisir 5 gestes. 5? 5 gestes. Celui qui en réussit le plus sur les 5 remporte ce défi avec le nouveau ballon de la Ligue 1. Ça marche? Ça marche, ça marche. Let's go. Je connais. Allez, c'est parti. Pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui commence. 1, 2, 3, Pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, Pierre, feuille, ciseaux. Ah, le recouvre le fake. Il a gagné la blague, il a gagné la blague. Il a gagné, premier geste, moi quand... J'ai oublié comment il s'appelle. C'est là que je fais tac, et un tour. Je laisse là, tac, tac. Ça, et après par-dessus comme ça. Voilà, exactement. Voilà, mais c'est ça. Un essai. Un essai. Allez, allez. Oh, t'es pas loin là. Non, allez, t'en as 5 de l'autre. Vas-y. Mais mon frère, c'est passé, frère. Je sais pas le faire, ça, wesh. Ça enfle leur micro. Regarde, je suis en train de mettre un kick. Je dirais Brian, frère. C'est gratuit. Vous avez pas remarqué, c'est notre bouc émissaire. Allez, bravo. On va faire. Par contre, je vais faire ça. Vas-y, là, démarre, là, ma gueule, wesh. Eh, aujourd'hui je parlais comme ça poteau. Eh, t'es dit t'es mort là t'as... Allez mince. Faut que vous compreniez une chose. De 1, c'est pas un S3. De 2, il est jamais payé. Et en plus il se permet de faire ce genre de choses. Et après il me demande pourquoi il est pas payé. Eh poteau, je t'ai dit accélère là. Allez. Oh Zabi. Il a réussi. Ouais, 3 essais on avait dit de toute façon. On avait dit 3 essais de toute façon. Vas-y, deuxième geste. C'est quoi le tour du monde? C'est quoi ça? Attendez, on devait pas se concerter? C'est... Je suis calme. Depuis tout à l'heure, j'ai rien. Ça c'est facile, moi je le fais. Moi je le fais après. Ça fait 6 mois, j'ai pas joué. Moi je prends pas compte. Toute la team mieux en bonne boule. Non. Oh. Nope. Nope. Oh, s'il a plus de jus. Attends, je te concentre pas, ouais, tu mets une nope. Qui a plus de jus. Ouais, j'ai mis un double, oh. Allez, allez, concentration, ça demande juste un peu de vivacité. Allez, Babex, nope. Babex. Encore une chance. Oh, putain, mais que chou. Premier essai, bien joué, Moz, bien joué, on l'applaudit, on passe au deuxième défi. Troisième geste. Le triple. Le coup du t-shirt. Le coup du t-shirt. Oh, il a élargi son cœur. Oh, raté. Allez, le coup du t-shirt, deuxième essai. Ok, ok, ça passe, ça passe. Ok. Voilà. Bien joué, bien joué. Merci, moi j'aurai un point. Merci, Trafil, merci. Le temps de boss. Oh. Deuxième essai. Et vu qu'il a pas de t-shirt, il a perdu. Alors, quatrième geste, c'est quoi la terre. C'est faire la terre, toi? Je sais pas, c'est quoi. Ah, ça là, ouais, c'est moi qui ai fait le tuto. Vas-y, à terre, c'est parti. Okay. Le blocage nuque. Okay. À terre, on est d'accord, c'est ça. Ouais. Ça. Et je la bloque, c'est ça. Ouais. Attention, moi, attention à toi, moi. Nope. What? Nope. J'ai tenu cette vidéo concentrant au siège. Nope. Non. Parti, moi, ce double champion de France de freestyle football. Voilà, double champion de France d'ATR. C'est simple, y'a pas un battle où j'ai pas fait ça. Vas-y, moi, attention, attention. Voilà. Bon, oh, il a gagné. Dernier geste, moi, je l'en.
attendez. Parce qu'il n'arrête pas de dire. Donc Magellan, on est d'accord, c'est clac, clac, ouais. Ok. Je l'ai jamais fait de ma vie, ok. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais essayer de le faire. Il s'est claqué sur un double, et Clarisse, elle l'envoie faire à Magellan. Ouais, c'est pas fou. Ils ont l'air d'avoir fini leur match, tu vois. Ok, premier essai. Nope. Hey. Putain, c'était pas mal. Nope. C'est parti. Donne tout. Vas-y, Emilio. Ouais, ouais. Nope. Wow. Allez, allez. Mets de la vivacité, bordel. Pour le pro. Nope. Hey, j'ai jamais fait de ma vie. C'est impossible. Tu vois, c'est trop, trop long. Ah, mais t'as le nouveau ballon de la Ligue 1. Allez, t'as bien essayé. Arrêtez. Oh, dommage. Ah, là, là, là. Oh, oh, hey, oh, 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 bon, sinon les gars, vous avez pensé quoi du ballon Alors, le ballon au premier toucher de balle, on ressent tout de suite une souplesse, une légèreté. Je ressentais tout de suite cette facilité à manier. Moi, pour moi, c'est un 4 sur 5. Un 4 sur 5. C'est aussi simple que ça, un 4 sur 5. Et toi, Livigno? Pour le freestyle, je trouve que c'est pas top top. Ouais. Après, j'attends le deuxième défi. Pour quelle raison aussi, c'est pas top top? Bah, elle glisse un peu. Enfin, tu vois, les balles de freestyle, c'est particulier. Le truc, il a été fait pour le foot. Ouais, pour le foot, pas pour le freestyle. Donc en fait, là, non, c'est un bon. Tu dire, on s'en fout de ta vie. En fait. Ouais, ouais, non, mais en vérité, c'est un bon ballon puisque c'est pas un ballon fait pour le freestyle, c'est un ballon c'est vrai, fait c'est pour vrai, le foot. T'as vu, il y a les ballons dire... de freestyle avec des ballons de foot. Quand même. Ça veut dire, toi, oui, c'est vrai, il y en a qui freestyle avec des ballons de foot, mais c'est pas mon cas. Voilà, Urban Ball, tu connais. La maison. Attends, on passe au défi numéro 2. Ouais. Défi foot. C'est lui qui rentre le plus vite chez lui. C'est parti. Voilà, aujourd'hui, ça va être des petits 1v1. Là, bon, le deuxième défi, ça va être un petit 1v1. Et le troisième, ça va être des frappes. Je vous cache pas, j'ai la flemme. Mais là, j'ai pas mes contours en plus, je suis pas très beau. Donc, c'est-à-dire que là, ça tue à mon mental. Je sais pas si je peux bien arrêter, etc. Mais juste pour vous, vous allez voir les arrêts que je vais faire. Ok, les gars, là, ça va être simple. Ça va être mort subite. Direct, cash, tu marques, t'as gagné. Tu marques pas, t'as perdu. Simple. Simple. Ce défi peut être expéditif. J'ai confiance en vous. En plus, t'es gaucher. Oui. T'es gaucher. Non. Oh, de gaucher. Il a dit, oh, avant que je réponde. Si, t'es gaucher. Il est gaucher. J'ai posé la question, mais j'ai dit la réponse. T'es gaucher. Il est gaucher. Que le meilleur gaucher gagne. Avec le nouveau ballon de la Ligue 1 Uber Eats. Allez, Pierre, feuille-toi. C'est parti. Wagaman. Ouais. Wagaman. Oh. Oh! Oh! Oh my god! Wow! Wow! Ouais! 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 Oh! Oh mince, il a gagné! C'est là, t'as le droit là! Oh! Non, fair play avant tout! Oh non! Allez, on passe au troisième défi! Explique, on va en tuto, voilà! Explique-nous. Un tuto quoi? Un tuto de ce qui vient de se passer. Bah, c'est juste. Déjà, on va en ralenti. Déjà, on va en ralenti. On regarde le ralenti tout de suite. C'est juste au feeling. C'est du feeling, c'est tout. Tu vois. Le freestyle, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais quand tu t'entraînes pas, c'est du feeling, tu vois. En fait, là, tu ressentais la chose, tu vois. Ouais, exactement. Et je pense que c'est aussi grâce au ballon. Grâce au ballon. Ouais. Donc voilà, ton avis maintenant sur les frappes. Donc, en termes de football, je trouve que c'est un très bon ballon. Voilà, il vole pas, il flotte pas. Il prend une bonne trajectoire quand tu frappes bien. Et voilà, en tout cas pour le football, il est très très bien. Pour le freestyle, je trouve, c'est pas top top. Et vous, Moss, ces conseils vous seront-ils utiles dans votre future carrière de footballeur? Bah moi j'ai trouvé, comme j'ai dit, de la légèreté, de la souplesse. Ouais, j'ai oublié. Mais rigide en même temps, c'est dur au moment où on touche le ballon, on sent que elle va prendre la trajectoire que t'as décidé. Et donc, vu que moi j'ai pas décidé. Non, vu que moi j'ai pas décidé de faire quelque chose. Elle a pas décidé. Donc elle a respecté ce que tu as. Il est pas bête le ballon, tu vois, il est pas bête le ballon, tu vois. Si tu lui dis pas où aller, bah il sait pas où aller. Tu vois, lui il lui a dit, tu vas là-bas. Tu vas encore te rattraper, hein. Pourquoi on va rattraper, il y a n'importe où. Tu vois, il y a 6-1 ou quoi? Non, parce que là, c'est le défi le plus rapide que j'ai mis des trucs ma vie sur cette chaîne. Bah ça change des vidéos avec Andreas, hein.
On passe à la suite. Ça tient gratuit. Prochain défi, un VS1, mort subite, tu marques, t'as gagné, le mec marque pas derrière, c'est fichu. Ah, c'est expéditif aujourd'hui. Là, je peux te le dire, mon champion. T'es pressé? Non, je me suis dit. Parce que le tour, c'est dans l'autre. En vrai, c'est un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Soit 3 buts, le premier qui en met 3, il a gagné, soit c'est expéditif, mort subite. Viens, on voit par rapport à la première. Ouais. Si on voit que ça va être chaud, expéditif. Si on voit que ça s'enchaîne vite, on peut enchaîner. 3 buts. Vous êtes des dribbleurs, les gars. Oh my god. Ouais, ouais. C'est l'arbitre. 1-0. Tu crois qu'on est en Ligue 1 ou quoi? Il va savoir qu'il a fait un poulet aussi. Un malade la vis. C'est toi qui veux faire la passe. Non. Voilà! Voilà! Droit de réponse pour Moss. Non, je le sais! Casse-le! Non, je suis aime! Sors! Non! Comment les mecs ils font le ramadan pendant qu'ils jouent au foot, là? Oh, je suis cuit. Oh, y'a faute là. Sors. Y'a faute. Faut marquer vite là. Oh, on a marché sur pied là. J'ai juste dit à l'arbitre. Il a rien dit. Si je marque, c'est fini, on va dormir. Pouvoir de l'islam, frère, fais pas le ramadan lui. Check. Franchement, c'était bien joué, Jimmy, wesh. T'as viré, wesh. Bien joué, JM. Fin de ce troisième défi. Bravo à vous pour la victoire. Franchement, le duel était de qualité. On applaudit Jimmy quand même. 58 ans, il gère toujours autant. C'est incroyable. En tout cas, mes impressions sur le ballon. J'ai les mêmes impressions que pour le deuxième défi. Le ballon pour le foot, bah, il est bien. Il est même très bien. Pour le freestyle, je suis moins fan. Ah, il y a des trois fois ça quand même. Ouais, mais faut bien que je le redise. Parce que le PSG remporte le championnat l'année prochaine avec ça. Avec cette balle? Ouais. Je sais pas. Mais je pense que oui. D'accord. Merci Jean-Michel Larquet pour ses impressions. Il n'y a pas de souci, je suis mort. Merci. Et vous, Moss? Vous qui avez remporté voilà, grand ce grand défi, hein, face au retour de Jimmy, vos impressions? Ça fait plaisir. Ouais. Complètement cuit. Oui. Le ramadan il m'a eu. Oui. Et il a de l'énergie pour un vieux briscard. Oui. Pour un vieux loup de mer. Un vieux pirate. Elle... Capitaine Crochet. Et il en a de la bouteille lui. Ah il a de la bouteille. Ah il a de la bouteille. Et du coup, du coup le duel est vraiment cool. Ouais. Grosse dédicace à Jimmy, ça fait 6 ans et demi qu'on l'avait pas on vu. On l'avait pas vu. Ouais. Et en plus, je suis venu à pied de Vendée. De Vendée. Voilà, il avait commencé son cardio. Dites tout si vous voulez le pour voir. Ça, le travail paye. En commentaire. Et je pense que d'ici là, mesdames et messieurs, la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi. Je suis